Devant la léthargie constatée du club 2002 pur, après l'élection présidentielle, scrutin du 21 mars 2021, le secrétaire général juste Désiré Mundele a profité de son séjour à Pointe-Noire pour faire une communication le samedi 22 janvier 2022. Communication à l'endroit des cadres et militants du parti dans le but de remettre les pendules à l'heure en donnant les nouvelles orientations. Une communication pour les remercier de leur implication à la réélection du président Denis Sassou Nguesso, de leur mobilisation à l'accueil du chef de l'État, aux côtés des autres forces de la majorité présidentielle lors de son séjour de travail du 20 au 22 janvier 2022 à Pointe-Noire. Il s'est réjoui de la réconciliation de la ville de Pointe-Noire avec le port autonome et annoncé l'avancement des indicateurs macroéconomiques du Congo. Vous savez, nous avons des bonnes nouvelles en ce moment et comment ne pas le relever ? Pas plus tard qu'hier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international venait d'approuver un programme triennal de facilité élargie de crédit avec la République du Congo, avec notre pays. Vous le savez, puisque vous étiez approprié du programme, du projet de société du président de la République, après le point sur les fondements du vivre ensemble, de la paix, de l'unité nationale, il y avait un point important, c'était le rétablissement de nos fondamentaux macroéconomiques, la soutenabilité de notre dette, la viabilité de notre économie et le retour aux paramètres positifs, aux paramètres macroéconomiques positifs. Sans langue de bois, juste Désiré Mundele invite les cadres et militants Club 2002 Pur à soutenir le projet de société du président Denis Sassou Nguesso en les exhortant à une vaccination massive au Covid-19. Puis, un hommage déférent au révérend pasteur Wilfried César Nguesso, président fondateur du parti, de sa dextérité à diriger le Club 2002 Pur pendant 20 ans. L'humanité, comme le Congo, comme Pointe-Noire, vit sous l'emprise de cette pandémie qui a fait tant de mal, cette pandémie qui n'épargne personne, qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de choix, qui ne trie pas et qui attaque l'homme. Et de grâce, je vous en prie, je sais que nous avions déjà passé ce message au niveau du parti. La parade, c'est la vaccination. Donc, une fois de plus, nous vous aimons beaucoup et nous avons besoin de tous. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore posé cet acte, faites-le pour votre bien. Une communication politique qui se tient 8 jours avant la célébration, le 30 janvier 2022, du 20e anniversaire du Parti pour l'Unité et la République, Club 2002 Pur, créé le 30 janvier 2002. Club 2002, solidarité, travail, prospérité. Club 2002, solidarité, travail, prospérité.